Allô chérie. Ça va bien? Ouais, ça va, ouais. Ouais, j'arrive tout juste à la fête, là. Ouais. Et vous, comment ça va à La Roche? Génial, je suis en train de bronzer sur la place Napoléon, maman est avec les enfants au ciné. Mm-hmm. Dis donc, t'oublies pas de te renseigner pour le badminton. Non, hein. T'inquiète. Et pour le ping-pong aussi, j'aimerais bien en faire. Et okay. Du jiu-jitsu ou ouais. Du karaté, enfin un truc dans le genre, okay. Du judo. Hein. Et puis si tu peux te renseigner aussi pour la trompette, ça serait cool. Non mais attends Christophe, tu vas pas faire tout ça là? Ah si, 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 si. Cette année j'ai vraiment envie de me bouger, je t'assure. Oui, je pense que ça peut pas te faire de mal. T'es en train d'insinuer un truc là? Non, rien, allez, laisse tomber. Ouais. Bisous et embrasse les enfants. Allez, je t'embrasse, des bisous. La ville du Kremlin-Bicêtre accueille de nombreuses associations artistiques, sportives, humanitaires ou sociales. Elles trouvent dans notre ville un environnement propice à leur enracinement et à leur développement, ainsi que des bénévoles motivés, des habitants concernés et le soutien de la municipalité. Selon leur importance, leur implantation ou leur ancienneté, elles bénéficient de subventions et de locaux et elles participent à des événements marquants de la vie crémlinoise, comme Vivre ensemble nos différences, les estivales crémlinoises ou encore la traditionnelle fête de la ville. Ces associations jouent un rôle important. Elles proposent une grande diversité d'activités et permettent de tisser des liens entre les habitants. Le mieux est de s'informer auprès de la Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative, familièrement appelée MCVA, ou bien de venir à la fête de la ville début septembre. D'autant plus que c'est aussi l'occasion de se renseigner sur tout ce que l'on peut faire au Kremlin-Bicêtre, de s'amuser, de se détendre et de faire des rencontres, ainsi que va s'en rendre compte Marie. Bah, Steph ! Oh, bah Marie ! Bah qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais en Bretagne ! Eh bah, figure-toi que je viens d'emménager au Québec. Oh, c'est pas vrai, c'est génial ! Ça va ? Mais oui ! Bah, t'es sans les enfants ? Bah oui, ils sont en week-end avec Christophe à La Roche. Ah, bah c'est dommage, en plus, il y avait plein de jeux pour eux. Alors, le KB, comment t'y trouves? Bah écoute, je viens d'emménager, ça va, ça a l'air pas mal. Bien, en plus, c'est la fête de la ville. Bah ouais, oh. Eh bien, on va faire la fête, on va se raconter tout ça. Ok, ça roule. Bon alors et toi, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben écoute, avec Christophe, on tourne une série vidéo en fait pour la ville du Kremlin-Bicêtre, tu sais, pour présenter un peu les services. Ouais, attends, je monte des photos. Ah ouais, carrément. Ouais, attends, je me suis mise au smartphone. Ouais. Alors, eh ben tiens, ça c'est Christophe et moi pendant le tournage. D'accord. Ça c'est Christophe. Oui. Oh, ben ça c'est Christophe au Club Lacroix. Ouais, alors je te raconte pas, il a eu un succès avec les dames, c'est extra. Ça c'est Christophe et moi. Ouais. Et ça c'est Christophe qui appelle. Allô. Allô, alors comment ça va? Ouais, c'est vachement sympa, ouais. Mais ça aurait été encore plus sympa si t'avais été là avec les enfants, hein. Oui. T'as pu te renseigner pour le sport, oui, alors? Oui, oui, j'ai pris des informations pour le badminton, ouais. Ok, et le karaté, t'as pu voir? Ah, au fait, je te préviens, faudra peut-être que tu gardes les enfants le mardi soir, je me suis inscrite à des cours de rock. Oui, bah super, et le karaté, c'est quel non, jour, alors? J'ai oublié de prendre les infos pour le karaté. Ah, c'est dommage, ça t'avait ouais. Ça à faire un peu, Marie. Bon, bah, écoute, Christophe, t'avais qu'à être là, hein. Et puis sinon, t'iras sur le site de la Maison de la Civilité, enfin, sur le site de la MCVA, il y a toutes les infos sur les associations. Ok, et tu crois qu'ils pourront m'enseigner oui, pour la trompette? Je te laisse, je suis en train de boire un verre avec, tu devineras jamais qui. Non, vas-y, qui? Steph. Ah, la Bretagne. Oui, s'est installée au KB. Ouais, tu lui fais une bise. Oui, hein? T'embrasse. Oui. Oui, je te laisse. Parce que là, la Roche-sur-Yon, maintenant, il pleut. Hein. Elle oui, bisous, bisous. Pas. Allez, ciao. Bisous. Ça fait du bien quand les enfants sont pas là, hein. Et puis Christophe non plus.